mais il s'agit de d'être capable de voir dans chaque relation une chance extraordinaire de se libérer. De se libérer de ses manques, de se libérer de ses difficultés, justement, de tout ce qui vous empêche de réaliser ce que vous êtes fondamentalement. Vous avez une source extraordinaire en vous. Vous avez une richesse extraordinaire. Et ce n'est pas du tout une vue de l'esprit, ce n'est pas du tout une philosophie ce que je suis en train de vous enseigner. C'est quelque chose que chacun vous pouvez réaliser. Et comment vous pouvez vous libérer de quelque chose dont vous n'êtes pas conscient? C'est totalement impossible. Vous n'êtes pas là. Comment vous voulez faire connaissance avec quelqu'un si vous n'êtes pas là? Si vous ne le voyez pas? Et la première personne que vous manquez, c'est vous. Une relation qui reste figée sur le passé ne peut pas évoluer, elle ne peut pas croître. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comment une personne qui ne s'aime pas peut aimer les autres? Vous êtes figé sur une idée et vous la faites exister et vous lui donnez du pouvoir. Et vous faites la même chose avec vous. Le jour où vous serez libre, vous serez capable de rester tout seul avec vous-même, être heureux, dire je suis bien en ma compagnie. L'autre ne sera plus là pour combler vos manques. C'est une relation d'une autre qualité. L'autre, les autres, c'est une chance. Je pense que vous sous-estimez complètement le pouvoir que vous possédez. J'ai juste un conseil à vous donner, c'est que si vous voulez réussir dans un domaine particulier, suivez les conseils de quelqu'un qui réussit dans le domaine qui vous intéresse. En manquant de respect, en méprisant votre relation, vous méprisez vous-même. C'est ça l'amour. L'amour, c'est vraiment ce qui vous donne la capacité à aider l'autre à s'élever. C'est que plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous respecter, plus vous allez inviter l'autre à faire la même chose pour lui-même. Parfois, vous êtes tellement collé dans le problème, vous êtes tellement collé dans ce que vous croyez être un problème, que vous ne voyez pas que le problème lui-même est la solution. L'amour, c'est gratuit, hein. C'est pas, vous n'avez pas à payer pour, et vous n'avez pas à faire de prouesses pour être aimé. Vous y avez droit. On a tous le droit d'être heureux. Mais quand vous dites « c'est pas moi, c'est pour moi », vous êtes en train de créer une réalité. Donc effectivement, ça n'est pas pour vous. Parce que vous êtes en train de sceller une croyance. Je suis en train de vous donner une clé, je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est énorme.
ça veut dire que vous n'avez plus de manque. Et là, vous pouvez vivre avec les autres. Qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là.